Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir deux éléments différents. On va voir que quand on parle de variation, en fait, il y a des erreurs assez fréquentes quand on lit des taux de variation. Il y a des erreurs qu'on croise tout le temps. Alors, je vais vous les présenter et puis l'objectif, ça va être de ne pas les faire dans les copies. Donc ça va être un premier élément. Et ensuite, on verra autre chose, un autre savoir-faire qui est la lecture de ce qu'on appelle un taux de croissance annuel moyen. On verra que c'est quelque chose de particulier, il ne faut pas savoir le calculer, mais il faut savoir le lire. On le croisera parfois dans certains documents. Alors, première chose, les erreurs classiques des élèves. Alors, je vous ai mis une situation au tableau avec deux phrases qui sont justes. Donc, on imagine, ces deux phrases, elles sont justes. On imagine, on parle du PIB de la France, et on voit qu'entre deux années, il a augmenté de 4%. Donc, une phrase juste, ce serait celle-là. En France, le PIB, il a augmenté de 4% entre 2000 et 2001. Ça, c'est une phrase juste et complète. Une autre phrase qui serait juste, on exprime la même chose, mais un petit peu différemment. La croissance du PIB, elle était de 4% en France en 2001 par rapport à 2000. Donc ces deux phrases, elles sont correctes. Maintenant, on va s'intéresser à des boulettes classiques qu'on rencontre dans les copies. Un grand classique, la première. En France, le PIB, il a évolué, donc de 4%. Ça, le mot évoluer, il est à bannir. Donc, le PIB, soit il augmente, en l'occurrence, c'est le cas ici, soit il diminue, là, c'est pas le cas, mais on ne dit pas que le PIB, il évolue. Ce mot-là, il n'est pas clair, il ne nous renseigne pas sur la tendance. On ne sait pas si c'est une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire. Autre classique, de dire en France, la croissance du PIB, elle a augmenté de 4% entre 2000 et 2001. Donc là, c'est pareil, votre phrase, elle n'est pas juste, puisqu'on dit la croissance, elle a augmenté. Donc ça, c'est pas... En fait, on parle de deux augmentations d'un côté et de l'autre. Donc en fait, c'est pas la croissance qui a augmenté, c'est le PIB qui a augmenté. Donc en France, le PIB, il a augmenté de 4% entre 2000 et 2001. Ça, c'est une phrase qui est correcte. Et un dernier classique, quand on parle de la croissance, dire en France, le PIB, il a augmenté de 4% en 2001. Donc là, le problème de cette phrase, c'est qu'elle est incomplète. Puisque rappelez-vous, quand on parle d'une variation, elle se mesure toujours par rapport à deux dates. Donc là, si on dit en 2001, ben, en fait, il nous manque une information importante qui est en 2001 par rapport à quoi? Donc c'est en 2001 par rapport à l'année 2000. Donc ça, par rapport à l'année 2000. Donc ça, c'est trois erreurs vraiment très classiques. Là, je vous rappelle donc une phrase correcte. De quoi parle-t-on? Le PIB. Est-ce une augmentation ou une diminution? Le chiffre de la variation et les deux dates. Ça, c'est une phrase correcte avec ces quatre éléments. Ça marche. On va voir maintenant un deuxième élément. Qu'est-ce qu'on appelle la lecture du taux de croissance annuel moyen. Donc la lecture du taux de croissance annuel moyen qu'on appelle aussi TCAM. Donc on va le rencontrer dans certains documents, et donc c'est l'idée, ça serait marqué par exemple TCAM, ou taux de croissance annuel moyen du PIB de la France, 1990-2000, et puis on vous dit que c'est par exemple 2%. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on vous dit ça? Ça veut dire que on a fait la moyenne de toutes les variations du PIB sur cette période. Et en fait, alors le calcul il est un petit peu particulier, c'est ni la somme des taux de variation, ni la moyenne des taux de variation. C'est pas comme ça qu'on le calcule, on le calcule d'une façon un peu plus complexe, mais vous n'avez pas à connaître le calcul. Ce qui est important, vous avez à connaître la lecture. Comment est-ce qu'on va lire correctement un taux de croissance annuel moyen? Et du coup, il va y avoir une méthode, c'est toujours la même.
Si vous voyez taux de croissance annuel moyen, vous commencez toujours votre phrase de lecture par en moyenne par année le PIB de la France il a augmenté de 2% sur la période 1990-2000. Donc c'est vraiment la particularité du taux de croissance annuel moyen. On va toujours commencer notre lecture par cet élément, en moyenne par année. C'est-à-dire que si on lissait, c'est-à-dire pour connaître la variation du PIB, si elle avait été la même sur cette période, donc si ça nous donne ça, en moyenne par année, le PIB de la France, il a augmenté de 2% sur la période 1900-2000. Donc cette partie-là, ça ressemble à une lecture de taux de variation, mais comme on lit un taux de croissance annuel moyen, qui est un taux de variation un petit peu particulier, on rajoute le en moyenne par année. On peut avoir des taux de variation pour le PIB, mais on peut aussi le croiser pour d'autres éléments. On pourrait le croiser par exemple le taux de croissance annuel moyen de la productivité du travail dans un pays. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire en moyenne par année, la productivité du travail, elle a augmenté ou baissé de X% sur la période étudiée. Voilà ces deux outils.